environ. Je vais la laisser tourner 30 minutes sans mettre la batterie, puis je la mettrai après. C'est bien foutu. Parce que l'autre fois on arrivera et nous mettez la tape. Parce que dans l'ancienne machine on pouvait accrocher le, ah, on peut plus, le flex. Ça évite de l'oublier sur la machine. Parce qu'il y a combien il y en a qui l'ont oublié. Avec les clés et tout. Au début je pensais que c'était la carte, le badge de service quoi. Ben nous au début on avait pensé qu'ils allaient nous donner un nouveau badge, tu vois. Et puis finalement non. Ça aurait été pas moi de mettre directement sur la carte de service. Ouais, ça aurait été bien. Ça aurait même été très bien. Comme la cantine. Comme la cantine, c'était bien, tu rechargeais ta carte et puis. Ah mais là la cantine c'est nul. Depuis moi j'y vais plus. Ah moi j'y vais tous les jours. Même avec les trucs, les paniers déjà. Avant c'était des vrais plateaux. Ah ça y est, vous l'enfermez vous aussi? C'est pas que c'est fermé, non, la cantine, mais c'est des sandwichs. Oui, c'est dans des barquettes en plastique. Il n'y a plus de cuisine comme avant. Non, c'est des sandwichs. Ah d'accord, ça nous aussi, hein. Ça fait déjà plus d'un an. C'est des barquettes avec les plats dedans. Non, nous c'est pas des plats, nous c'est des sandwichs. Des vous n'avez pas de plats? Non. C'est des trucs, un yaourt, un bout de pain, un sandwich. Bizarre ça. Que nous on a des plats quand même, entrée, plat, dessert. Mais vous, parce que c'est fermé la cantine. Mais nous c'est à cause du Covid que c'est fermé. Ah d'accord, ok. Oui, c'est à cause du Covid. Ah oui, ils n'ont pas fermé totalement. Non, ça a ouvert. Sinon, c'était bien. Hein, alors nous, bah, nous, ce qu'on refaite justement, c'est de plus pouvoir avoir de steak frites, par exemple. Steak grillé, frites, steak haché grillé. Après, vous pouvez venir à Thiers, c'est à côté. Ouais, mais faut venir à Thiers, quoi. Des fois, je viens, ça arrive, une fois de temps en temps. Faut venir à Thiers, il y a de la place sur tout le monde. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Après, mais pas on a plus près, mais on a Sucy. Il y a la cantine, hein. Ah ouais, il y a le truc de RER. Ouais. Mais c'est grand là-bas la cantine, non? Oui, ouais, c'est grand. Mais là pour l'instant c'est pareil, elle n'est pas réouverte. Ça coûte cher. Donc à partir de quand ils ont dit que pour ouvrir là c'était au mois de juin? Le 19 juin, je sais pas combien. Ouais. J'ai entendu parler mois de milieu juin quoi. Ouais, j'espère bien parce que là, là quoi, avec l'article dans sandwich là, c'est ça. C'est bien, ah ouais, alors, les crèmes brûlées, c'est pas une tuerie. Voilà. Entre les plats dessert, t'en as même pas pour autant. C'est pas large ici non plus. Et c'était pire pendant le Covid, hein. Ils coupaient pas les arbres. Là, ça, ah ouais. Ça cognait dans les rétros, dans le pare-brise. Le 393, fin de journée ou tu vas continuer sur autre chose? Non, je vais arrêter, je vais rentrer après. À chaque jour suffit sa peine. Ouais. Après, il reste quelques jours. Dans la retraite, t'auras le temps de faire tout ça. Ouais. Et les trams, non, ça te dirait, avec des signes, voie de tram, fixer son. Si, pourquoi pas, mais faut que c'est pareil, il faut que le collègue il soit d'accord.
On est parti à quelle heure là? 24. J'essaye de calculer à peu près quand je dois rebrancher la batterie. Bonjour. Alors là, du coup, tu fais que YouTube, t'as pas essayé TikTok? Non, ce TikTok c'est pour les gosses, non? Non. Ah bon? Allez-y, madame. Il y a plus de visibilité. Ouais, mais bon, international, déjà, il y a des gens qui sont sûrs. Il y a un mec de Chronopost, un livreur, fait quoi, livreur? J'ai fait connaître, là, ça. Ouais. Il est passé sur Brut, il est passé dans 20 minutes, en présentant son métier seulement. Ah, j'ai racheté un œil TikTok. Je sais pas, ils font que des vidéos à la verticale là-dessus. Ça dépend. Chaque fois, tu postes des vidéos comme tu veux, si c'est le bus, tu te mets spécialisé dans les bus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils filment tout ça comme ça. Tu filmes quand tu veux. On peut filmer, parce que moi j'aime bien filmer. Si tu veux, je filme à l'horizontale pour que ça prenne tout l'écran. Ouais, c'est comme tu veux en fait. Je croyais que TikTok c'était seulement des vidéos genre des selfies, tu vois, comme ça. Il y a de tout. En fait, c'est ouvert à tous. Tu peux mettre ce que tu veux, tout et n'importe quoi. Nous, rien qu'en présentant son métier, je sais pas. Après, j'irai voir. Après, il y a des rubriques. Pour l'instant, j'ai pas la fibre. Jeux. Donc, tu vois, s'il faut que j'envoie mes vidéos sur YouTube et qu'il faut que je les renvoie sur TikTok. C'est avec le téléphone. Oui, mais avec le téléphone, je fais ça que le week-end. Parce que j'ai illimité le week-end. Sinon, j'ai 90 gigas et ça part vite. Hein. Sinon tu peux filmer en normal avec ton téléphone, tu les gardes une fois rentré à la maison. Là j'ai reçu un message comme quoi la fibre était arrivée dans mon immeuble. Donc je vais la prendre, mais cette semaine j'ai pas le temps d'y aller. C'est vrai que TikTok. Sinon des fois je vais chez mon fils qui lui il a la fibre, donc je passe chez lui, j'envoie mes vidéos. Mais moi j'ai une vieille connexion ADSL pourrie, j'ai 400 kilooctets. C'est bon, on en a acheté? Vous avez reçu le compte? Non, parce que par rapport à ça, mais tu es du bus, TikTok, c'est vrai que ça peut prendre une ampleur. Vas-y, on va voir, j'ai resté un œil. Il y a beaucoup de passionnés, ça. Aussi. Moi aussi j'ai vu, je suis tombé sur un boulanger. Ouais. Il a plus d'un million d'abonnés. C'est pas vrai. Rien qu'avec le pain. Il nous montre comment faire du pain. Ça c'est intéressant aussi. C'est ça aussi. Il y a plein de métiers. Et les bus, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de bus. Je vais y aller. Ouais, il n'y a pas de bus. Ah bah si c'est bon, je vais aller voir, en rentrant je vais y aller voir. Si je me crée un compte, si je vois que c'est intéressant à ce moment-là, bah le TVM je le posterai aussi sur TikTok. Mais après c'est des vidéos courtes par contre. Tu peux mettre plusieurs vidéos par jour, tu peux en mettre autant que tu veux, mais écoute ça. Faut pas que ça dépasse une minute. Ah ouais, oh là là. Tu peux mettre le TVM, tu peux mettre un truc en accéléré, mais il faut que ça passe en gros une minute, voire deux minutes. Ah ouais. Pas plus parce que voilà. Mais avant de rentrer dedans, il faut bien regarder comment attaquer les gens, parce qu'il faut rentrer directement dans l'image, il y a un truc où les gens ils vont commencer à viser les trucs, ils sont dedans. Dommage, j'aurais pensé avant, je t'aurais montré parce que j'ai deux moi. Je regarderai, t'inquiète, je vais aller jeter un mec. On peut regarder, on peut s'inscrire sur ordinateur, on n'est pas obligé de faire par téléphone. Ouais, ordinateur, téléphone, tu en penses. Même j'avais essayé comment Instagram là. Non. Tu peux envoyer tes photos que avec ton téléphone? Non, ordinateur aussi. Bah non, j'ai pas trouvé. Alors je suis con. Faut créer le compte, ouais, c'est un ordinateur. Enfin bon, je vois l'Instagram, j'ai pas trop de couches, je comprends pas. C'est compliqué, ouais. J'arrive pas à saisir, je vois pas l'utilité vraiment, parce que c'est que des photos quoi, pour la plupart. Photos, vidéos, live. Après, ils font beaucoup de live. Mais ce n'est pas mal avec TikTok, tu peux faire un live directement. Par exemple, si tu arrives à atteindre un certain nombre d'abonnés, ouais. Tu peux faire une vidéo live pendant en direct. Tu filmes en direct ce qui se passe. Ouais.
l'autoroute des vacances. C'est fluide là, ça va. Ouais. Ça rentre là, ça rentre. Direction de Paris, il y a du monde. Hein. Non, au mois de mai ou au mois prochain. C'est quand les vacances scolaires? Dans 2 mois. C'est fin juin. Fin juin. Il y en a qui arrêtent, il y a un petit jeune là sur le 104, il m'a dit qu'ils arrêtaient le 25 juin. Hein, parce qu'il y a les épreuves du bac après. Ah, ils arrêtent le 25? Ouais. Ah, je ne sais pas s'il fait dans toutes les écoles, mais lui il m'a dit qu'eux ils arrêtaient le 25. Ceux qui ont passé le bac et leur diplôme l'année dernière, c'était les meilleurs. Ouais. Ils ont passé ça à la maison. Jamais vu. Avec tout ce qu'il faut pour tricher du coup. Ouais. Ben, c'est quand même la première fois que je prends le TVM du début à la fin. En 27 ans. En 27 ans. C'est long? Non, ça va. Ah, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire le trajet d'un bout à l'autre, quoi. Il m'a dit on pouvait manger à leur cantine ici aussi. Chez eux là, chez les flics? Ouais. Ah bon? Ouais, avec Malbagne on peut manger dans leur cantine. Mais je sais que tu sais quand tu fais la FCO, pour toi tu viens de la faire, donc tu... ça fait 2 ans, mais 3 ans. Ah non, 4 ans déjà maintenant. 17 ans. Tu vas la refaire l'année prochaine. L'année prochaine. Donc on peut aller manger à la cantine de la poste quand tu fais la journée de conduite à Croisal. Oui. Et c'est une belle cantine. Elle est mieux que celle de... On mange bien, ouais, non, c'est bien. C'est sympa. Mais nous là on a fait. J'ai fait la FCO, moi, c'est ma dernière FCO, je l'ai faite au mois de mars. Tout était fermé, hein. Et la cantine de la poste était ouverte. On est rentré, on a pris nos plats, on a mangé. On s'est assis à table et on a mangé. Mais ça n'avait rien à voir avec celui de... Ouais, c'est mieux.
Moi, je me rappelle, pareil, une fois, on était parti à la pratique, mais on avait pas beaucoup de temps. Du coup, il y avait un foyer juste à côté. Il y a un foyer juste à côté, on est parti, on a mangé. Ah, on a vu quand même, hein. Bah, on a mangé là, pourquoi? Parce que les cantines RATP étaient fermées. Parce que d'habitude, quand tu fais la journée de conduite, tu pars en bus, tu roules un peu, chacun son tour, puis le formateur il s'arrête dans une cantine qu'il connaît, cantine RATP. Et comme là elles étaient toutes fermées, du coup on a mangé sur place là-bas. Et du coup là c'est fini ça. Et là c'est où maintenant nous à Thiers, la passe directement au dépôt. Ouais, bah moi là, pas celle-là, mais celle d'avant j'étais venu la faire à Thiers. J'en ai fait une à Thiers, une à la porte d'Orléans. Et la fois d'avant, je me rappelle plus où j'étais. J'ai fait Port-Orléans, j'ai fait Thiers. Là, j'ai fait Vitry. Ah bah Vitry, j'ai fait deux fois Vitry. Deux fois Vitry, une fois Thiers, une fois Port-Orléans. On va bien faire des 4-5. 4-5. 4-5 tous les 5 ans. J'en ai refait 4 du coup. La première, je ne l'ai pas faite puisque quand nous on est rentré, ça n'existait pas. Et on nous a donné par équivalence. Ça n'existait pas? Non. Quand je suis rentré, ça n'existait pas, la FCO. Donc avant, c'était tu passes ton permis. Tu passes ton permis et tu bossais. FIMO, FCO, tout ça, ça n'existait pas. Ça a été créé après parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Et donc quand ils ont créé ça, pour tous ceux qui étaient déjà là depuis au moins une dizaine d'années, ils nous ont donné par équivalence. Et tous ceux qui avaient moins de 10 ans, ils étaient obligés de la passer. Ça vous a évité les 140 heures. C'est bon, c'est super. Donc, on en a gagné une. Ça c'est vraiment une victoire parce que c'est super long, 140 heures dans une salle enfermée. Voilà, nous là, la dernière qu'on a faite, on a eu 5 cas Covid. Dont le formateur qui le lendemain ne savait pas s'il allait venir. Ah ouais. Et du coup ça s'est passé quand même. Ouais, ça va, on était pas nombreux, hein. On était une douzaine dans la salle. Ils vous ont pas mis en contact? Non. Bien espacé. Non, ils ne vous ont pas mis. Ah c'est là je crois, c'est après c'est arrivé le cas contact. Sinon là, une personne qui a le Covid a été en contact avec vous, tous qu'en contact 7 jours. Ouais. Non, ils ne nous ont rien dit. Il y en a 4 qui ne sont pas revenus, puisque eux, ils ont été mis à l'isolement. Mais sinon, ça a été. Marché international de Rungis. Ouais.
libéré, délivré. Enfin. Ça va manquer un peu. Non ? Je pense pas, non. Tu vas pour moi donner, c'est... Comme quand t'es en vacances. Bah, au début, je pense que ça va faire ça. Peut-être après, je vais avoir un petit peu de nostalgie, peut-être. Mais j'y crois pas. Le corps de chasse. Bon, déjà, je suis en vacances en juin, là, parce que c'est mes vacances. Ah, c'est pour ça que t'es libéré C'est pour ça que je suis libéré comme ça. Bah oui, parce que normalement, je devais être en vacances en juillet. Mais comme j'ai posé ma retraite au 1er juillet, donc il a fallu qu'ils me mettent mes vacances avant. Mais malgré tout, j'ai pas eu droit à mes 30 jours puisque j'arrête au milieu de l'année. Donc j'ai eu droit à 15 jours seulement. C'est un choix. Ouais, c'est pas grave. Hein. C'est passé vite du coup ? Ouais, finalement, quand je regarde bien, le temps il passe à une vitesse phénoménale. Quand je suis rentré à la RATP, je suis rentré début 95. Et mon fils, le premier, il est né en 87, donc il avait 8 ans. Et ma fille avait 6 ans. Maintenant, mon fils a 34 piges. J'ai deux petits-enfants, tu vois. Ma fille a 32 ans, j'ai deux petits-enfants aussi. Ouais, mine de rien, ça passe super vite. On s'en rend pas compte, mais... Ouais, ça va, t'as vu l'évolution, avant comment c'était... Après, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Les gens étaient plus respectueux. La boîte était plus humaine. Il y avait de la reconnaissance. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune humanité, il n'y a plus aucune reconnaissance. On n'est que des numéros. Aujourd'hui, on n'est vraiment que des matricules. Avant, c'était vraiment telle personne, c'était pas pour matricule qu'on vous désignait. Avant, on te proposait de changer de boulot, tu vois, quand on voyait que tu bossais bien, tout ça. Maintenant, on te faisait passer à l'échelle supérieure, tu vois, parce que tu étais un bon. Et maintenant, ils te font passer à l'échelle toujours en retard. Les échelons, bon, c'est automatique, heureusement, parce que sinon, ils seraient capables de te les retarder aussi. Et on te propose plus rien du tout, de toute façon, il n'y a plus de poste à prendre. Et ça prend des gens de l'extérieur que des gens qui sont déjà en place. Ouais. Avant. Mais du coup, tu as été médaillé quand même. Médaillé ? Ouais. Oui, j'ai eu la médaille des 20 ans, mais j'aurais pas celle des 30 ans. 25 ans non plus là-bas ? Non, c'est 20, 30 et 33, je crois. Je sais pas pourquoi. 20, 30, 33. C'est pas la municipale ? C'est pas un radar quand même. Oh, ils doivent avoir les jumelles peut-être. Ils sont en train de s'installer. Mais la comme il pleut, ils statent. La municipale, ils ont des jumelles ? Oui, ils ont des jumelles maintenant, oui. Là, s'ils restent là, c'est sûr qu'ils vont attraper du monde. Ouais. Ceux qui grillent le feu. Bah, la police municipale, ils ont tellement perdu d'effectifs. Dans certaines villes, il y a tellement de bordel qu'ils ont été obligés d'augmenter les effectifs de la police nationale et de les doter des dernières technologies, puisque sinon, la police nationale, ils n'ont jamais le temps de le faire. Donc maintenant, ils ont aussi des jumelles, ils t'arrêtent pour des excès de vitesse, tout ça. Après, ça dépend des communes, puisque chaque commune a sa propre police municipale, donc ça dépend des règles de la commune, je ne sais pas comment ça marche. Moi j'étais à Villeneuve-Saint-Régis, dernière nouvelle, la police municipale, ils sont limités à mettre des amendes. Ils sont ? Ils mettent des amendes. Ouais. C'est tout ?
une voiture mal stationnée. Ça dépend des villes, je te dis, ça dépend vraiment des villes et du maire et du conseil municipal, il y a plein de choses. Il y a des villes où il n'y a pas de police municipale. C'est que la nationale. Non, dans les deux, il y a la nationale et la municipale. Ouais, ouais. À Champigny, moi je sais que nous on a la municipale aussi, mais ils font que mettre des PV aussi. Le commissariat. D'ailleurs, c'est même pas la municipale, c'est des ASVP. Ouais. À Noisy-le-Grand, par contre, je les ai vus, ils ont les jumelles, ils ont tout ce qu'il faut. À Saint-Maur aussi, hein. À Villiers, je crois que Villiers, pareil. À Saint-Maur, ils sont super bien équipés. À Saint-Maur, ils sont équipés, là. Ouais. Après, ça dépend des moyens de la ville aussi. C'est ça. C'était là, bon. Gros pont. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça, t'as raison. C'est le pont. Ça devait être vachement plus simple pour les collègues pour remonter au dépôt, parce que là, on doit faire un détour, mais non. Ah. Et donc, normalement, ça partait d'ici, les caténaires. Et puis les rails, le rail. Et donc, la photo que t'as vue, c'était là, un peu dans le... Ouais, les petites bières, là, on verra ici. Abjad. Ça fait déjà 30 minutes. Voilà, le français qui s'engage toujours quand il faut pour qui il faut pas. Bah oui, tu peux te dire excuse-moi. Hein. Carrefour de la résistance. C'est pourtant marqué dans le code de la route hein, qu'on s'engage pas si on peut pas passer. Comme t'as dit, les Français, les gens sont têtus, tout le monde veut passer. Même quand un peu de passer, il y a absolument pas passer. Ils sont toujours bloqués. C'est ça le temps de bouchon. Ouais. Bah c'est bien, il s'est arrêté quand on était arrêté. Parfait. Ah, lui il va s'engager aussi. Tout ça pour aller chez Ikea. C'est là ça. Ouais, c'est là. Voilà, et lui il s'engage, voilà. Elle. Ils nous ont mis 50 euros dans tout là, dans le CE. De quoi? Ils nous ont mis les 50 euros dans le CE, c'était pas mal ça. Le bon d'achat. Où ça? CE. Ah bon? Oui. T'as eu ça où? Ben, tu te connectes dans ton CE, et t'as 50 euros de bon d'achat, mais faut les prendre vite parce que ça part là. Ah bon, je savais même pas. Ils nous ont rien dit. T'as vu ça où? Non, ils nous ont rien dit, mais tu vois, tu te connectes sur ton compte de CE. Ah, il faut que j'aille faire ça sur mon ordinateur. Ouais. Ah bah après faut prendre le bus quoi, ça termine mi-juin, le 5 juin, le 11 juin je crois. Oh bah oui, je vais y aller en rentrant, tu fais bien de me le dire. Bah 50 euros pour l'achat, tu peux choisir, mais à quoi tout, mais c'est à 50 euros, c'est sûr. Ah bah 50 euros c'est toujours ça de prise. Ah il y a peut-être pour Ikea aussi, mais il y a même pas, il y a de bon dans mon téléphone, mais il y a même pas encore la télé. Ah oui, il y a des magasins spécifiques. Ouais, il y a Ikea, il y a Prima. Il y a plusieurs magasins, mais il faut voir ceux qui sont pour pas acheter. Ah,
vache. Du coup, avec le téléphone, t'es chez quel opérateur? Oui. Et tu veux pas les lâcher? Je suis engagé. 24 mois? J'ai changé l'année dernière au mois d'août pour avoir le nouveau Xiaomi, M10 T-Pro. Après, à un moment donné, c'est... Et du coup, je me suis engagé pour 24 mois. J'ai payé le téléphone 25 euros. Ouais. Après, l'abonnement, elle a combien par mois? Je sais plus, 39 je crois, tout à fait. La rigueur, moi je sais plus, j'ai tout illimité. Internet c'est illimité, il n'y a pas de. Oui, je sais, j'y étais aussi il y a longtemps au début quand ils ont ouvert. C'était la merde au début, mais après. Et ça a tellement merdé qu'au bout de, je crois que je suis resté 6-7 mois et ça m'a tellement énervé que ça déconne tout le temps que j'ai changé. Moi aussi, mais là, franchement. Quand j'étais, à l'époque j'étais sur le 3,93, quand j'étais là-haut à Résistance au Terminus, je captais rien du tout. Parce que ça rebasculait toujours sur le réseau d'Orange. Et je sais pas si tu te souviens, tout au début, il y a eu une grosse, grosse panne. Moi, au début, qui a duré pratiquement 24 heures. Et du coup, Orange, ils ont dit à Free, ok, on continue de vous accepter sur le réseau Orange, mais on vous laissera que les miettes, quoi. Que la bande passante qui ne sera pas utilisée par nos abonnés Orange. Et du coup, ça limitait le débit, ça limitait tout, ça a été une catastrophe. Moi, au début, j'étais débile aussi, mais après, à un moment donné, oui, chaque année, ils augmentent à un moment donné. Je suis allé chez Free, je vous rappelle, c'est avant 19,99 par mois, j'ai internet illimité tout le temps. Moi j'ai eu Free, je change régulièrement. Hein. Bon là j'en ai repris pour 2 ans, c'est pas bien grave, mais en général je change tous les ans. Pour faire marcher la concurrence. Si je me trompe pas, c'est au mois d'août, ça fera un an déjà. Oh, ça passe vite, hein, ça passe vite. Après, quand il ne reste plus que 6 mois, des fois je résilie, même s'il reste 6 mois, parce que tu payes ce que tu payes, c'est pas grand chose. Ouais, le téléphone, quoi. Tu payes les 6 mois qui te restent d'abonnement, mais divisé par 2, donc ça fait que tu payes plus de 3 mois d'abonnement. Non, non. C'est la loi, je ne sais plus comment, là, qui te permet de résilier avant la fin de. En fait, en payant que la moitié, mais il faut qu'il te reste moins de 6 mois. Alors là, ce matin, j'ai vu j'ai reçu un mail de, je sais pas que c'est Xiaomi, mais Xiaomi, parce que là, ils vont dire, on dit pas Xiaomi, on dit Xiaomi. Comme quoi, si j'achète un Mi 11 5G, là, ils peuvent me reprendre mon ancien téléphone jusqu'à 600 euros. 500 euros pour le téléphone et 100 euros en remboursement. C'est cool, ça. Je suis allé voir. Et moi, le mien, il est du mois d'août. Mi 10 T Pro tout neuf, ils me le reprennent que 360 dont les 100 euros de réduction. Donc c'est des menteurs parce qu'ils te mettent on vous reprend votre téléphone jusqu'à 600 euros. C'est de jusqu'à. Jusqu'à. Ouais. Alors 500 euros de reprise plus 100 euros de bonus. Mais en fait, quand il va, tu vois, mon téléphone il a donc 8 mois, là, 10 mois, ils me le reprennent que 260 plus 100 euros de bonus. Et le Mi 11 5G, il vaut 600 euros aussi. Après, t'as une bonne qualité photo, c'est ça? Ah, c'est une qualité de ouf, par contre. C'est ce que je disais, c'est une meilleure qualité que les photos. Les 108 mégapixels dessus, c'est magnifique. Il filme en 4K et en 8K. Tu peux filmer en 8K aussi. 8K? Ouais.
Et ça, c'est des super qualités, ça. Super qualités. Bon, pour l'instant, 8K, c'est pas beaucoup de gens qui peuvent s'acheter une télé 8K parce que ça coûte une blinde. Le téléphone qui fait 8K, c'est vrai. Ah ouais, il fait 8K, ouais. J'ai fait une vidéo en 8K il n'y a pas longtemps, là. Et t'as fait la comparaison avec la 4 ouais, j'ai même, moi, je peux pas, j'ai même pas une télé 4K. Alors, j'ai pas pu voir. Il faudrait que j'aille chez mon fils, parce que lui, il a une télé 4K. Trop joli. Moi, j'ai juste une télé Full HD, quoi, à l'ancienne. J'attends d'être à la retraite et de déménager. Je pense que je vais la changer. Je vais me prendre une 4K plus grande. Puis celle que j'ai là, elle ira dans ma chambre. Tu vas déménager où? Dans le sud ou dans le sud? Non, je ne vais pas très loin. Je vais dans Lyon. Lyon. C'est où ça? Sens, Auxerre. Ça tombe à temps de 150 km quoi, environ. Alors la police, hein, on peut pas rouler sur la route, hein? On peut essayer. Hier, on dirait que je travaille deux dimanches d'affilée. Ouais. Deux fois la prime. Ta primaire est passée dans combien de temps de 393? De quoi? Ta primaire dans combien de temps est passée de 393? Non. Non, non, mais là je vais avec toi jusqu'à Saint-Marc-Bataille. Je remonterai à Pompadour après. J'ai vu le collègue qui était à résistance là. Il est sympa, je vais essayer de le choper. Quand j'habitais à Limay, et avant je venais en transport, quand j'avais pas la voiture, ils sont cool les collègues de 350. Dans l'ensemble ça va. L'ours. Oh, avec la barbe. Ah là là, qu'est-ce qu'il était pas gentil ce mec-là.
Il y en a beaucoup, ils sont pas. Dès qu'il était, après qu'il était au terminus, c'était nickel. Dès qu'il était au volant, c'était une tête de con. Ah ouais, mais il y en a beaucoup qui donnent, justement, c'est pour ça là. Ah, mais vous êtes nombreux, TVM, il y a combien? Il y a plus de 100 services aussi. Il y a plus de 100 services, mais en roulement, c'est les mêmes choses. Ouais, ouais. Roulement, ah, mais bon, vous êtes nombreux quand même. Moi, je ne viens pas en roulement, je suis en ligne. Ouais. Mais en faisant, tu vois les têtes. Comme tu as dit, quand les terminus, c'est des tours, ouais, mais une fois qu'ils sont au volant, ils sont. Ouais, ouais. Une fois qu'ils sont au volant, il y en a, ils s'enferment complètement dans leur bulle, mais ils n'en sortent pas. Tu dis bonjour, ils te mettent une crampe, comme s'ils te regardent. Ils ne disent pas bonjour. C'est ça qui fait la différence entre 384 et 13. Tout le monde est venu, ils sont tous cool. C'est vrai. Mais l'ours, j'arrive pas à voir, c'est que j'en ai un, mais je sais pas si c'est celui-là. Où il est passé à la retraite? Qui, où ça? Ours. Il appelé. Oh, il doit être parti. Je sais pas. À un moment, il avait quitté le TVM, il a resté des années. Il l'avait quitté pour aller sur. 185, je crois. Un truc comme ça. Il avait changé de ligne. Il en avait marre du TVM. Et là, peut-être maintenant, il est à la retraite. Parce qu'il avait déjà un paquet d'années de boîte. Hein. Arrête, t'es des filasses. Je ne même plus compte. Marcelin. Il repleut. Arrête les essuie-glaces et hop, il repleut. Ouais, bah attends, parce que moi, des fois, je fais même pas attention, je le dis complètement. Ah, mais lui, l'ours, là, vraiment, c'était assez curieux parce que même avec les collègues, il était pas cool en plus. Par contre, dès que t'étais au terminus, c'était complètement un autre homme. C'est marrant. Quand j'étais sur le 21 au début, la ligne était séparée entre le dépôt de Montrouge et le dépôt de Lebrun. Et la moitié de la ligne était à Montrouge, la moitié à Lebrun. C'est-à-dire vous changez de machiniste? Non, c'était chaque dépôt avait des machinistes en roulement sur le 21. Et il y en avait un en particulier. Alors lui, c'était vraiment le gros con, tu vois. Il était à l'arrêt. Il commençait à rouler, il n'avait pas fait un mètre. Si tu lui faisais signe, il ne s'arrêtait jamais. Ah. Comment ça? Si tu veux, une fois qu'il avait fermé les portes et qu'il avait lâché le frein, tu pouvais arriver en courant, lui faire tous les signes que tu veux, même un collègue. Hein. Il ne te prend pas. Il continuait sa route, il faisait comme ça. Bon, en fait, ça dépend. Ça, c'est à la tête, tu sais déjà. Et par exemple, le mec, il connaissait bien tous les cycles des feux, tu vois. Il était au volant du bus, bon, à l'arrêt, porte ouverte. Il savait quand est-ce que le feu allait passer vert, par exemple. Il calculait, tac, il fermait ses portes avant. Tu pouvais venir frapper au carreau, une fois que les portes étaient fermées, c'était terminé. Et il te regarde même pas. Il te regardait même pas. Ah bon, par contre, s'il voit que la personne a couru, même s'il fait semblant de courir, c'est. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Je vais venir au dernier moment, comme ça. Je me suis mis devant. J'étais devant en tenue. Hein. Il m'a pas calculé. Il a commencé à lâcher le frein, à rouler. Il a fallu que je me pousse. Là ? Ouais. Il est parti. Il est parti. C'est pas grave, hein. Dans Paris, des bus, il y en a un toutes les 100 minutes, mais ça fout les nerfs quand même, parce que
T'es en collecte, t'es en plus, le mec il te calcule pas. Donc je lui ai dit. Il m'a dit, moi une fois que j'ai fermé mes portes, c'est terminé. Même collègue. Ah ouais, collègue, il m'a dit collègue ou pas collègue. Et merci, c'est gentil. On va pas diguer, madame. On va pas faire quoi, on va faire la vente de tickets là. Comment? On va faire la vente de tickets. Je sais pas. Alors là, franchement. Moi, je me suis débrouillé pour vendre les derniers qui me restaient. Je les ai vendus la semaine dernière. Il y en a deux. Et il m'en reste un, je le garde, mon souvenir, c'est le dernier. Donc tu vas pas rentrer dans la page du coup? Non, si tu la rends pas, il te prélève ça sur ta paye. Ah, de toute façon, j'ai déjà tapé de temps, il n'y a plus rien presque. On va voir, ça fait un an, tu vas pas tuer, t'as des pièces. Tu bois du café tous les jours? Bah ouais, non, puis j'ai acheté des clopes, j'ai acheté du pain, tu vois. L'autre jour, ma femme elle me dit, tiens, j'ai plus de sous en espèces, t'en as? Bah, j'ai dit, attends, ouais, j'ai regardé, j'ai pris dans l'empoche. La flemme d'aller au distributeur. Ah ouais. Non, moi, heureusement, moi, j'en avais plus. Mais quand on avait commencé à prendre le mois dernier... Ah bah moi, je l'avais rempli. J'ai pris 3 plaquettes de 50. Hein? 3 plaquettes de 50 et voilà. Ah bah si, quand on a repris la vente, là j'ai remis mon empoche à niveau, j'étais remonté à la somme normale, et j'avais acheté 2 plaquettes neuves et il m'en restait une demi de avant. Et puis du coup, bah, il me restait donc ces 2 plaques, j'ai entamé la première des 2 plaquettes neuves, et puis ils nous ont dit, bah, on re-arrête la vente. Et t'as une plaquette complète? Alors il me restait une plaquette complète, et puis j'en ai parlé à un collègue l'autre fois, il m'a dit vas-y je te la reprends. Ouais, ça va. Parce que sinon, de toute façon, dis-moi j'ai encore des allées à faire, donc je vais les vendre. Et puis donc j'ai fini l'autre la semaine dernière. Malgré que t'as quand même vendu. Ouais, je les ai vendus parce que je voulais m'en débarrasser. Bah, on a le truc là, donc... Justement, regarde, mais par contre, je ne prenais que si la personne elle avait la porte. S'il fallait rendre la monnaie, je disais non. SMS. Je ne peux pas manipuler la monnaie, ni les billets. Une dame, elle m'a dit ah bon, il faut avoir la pointe. Bah, je dis oui, ça a tout arrêté, madame. J'ai regardé, c'est marqué là. Tu vois? Et je lui ai dit, il va falloir vous habituer, parce que le temps où on servait de banque, où on faisait la monnaie à tout le monde, c'est terminé ça maintenant. Si vous n'avez pas la pointe, vous n'aurez pas votre ticket. Tu te demandes un peu. Parce qu'après, elle me dit, ah bon, c'est comme ça? Je dis, bah oui, avant, les gens, ils venaient avec des billets de 20, des billets de 20, des billets de 20, on leur servait de bon au club. Voire 50 encore. Les billets de 50, je ne les prenais pas, moi. Ah voilà, on ne porte pas des 50, on va prendre les 20. Des fois, tu avais 3 qui montaient avec un billet de 20. Ils te vidaient ta monnaie. On était bien gentil de rendre la monnaie, tu vois, parce que normalement le ticket dans le bus c'est du dépannage, t'es censé avoir la pointe. En fait, ce qui est chiant à l'aéroport, des trucs ils vont jamais. Ouais. 183, quand on allait avec l'articulé, ça marchait pas, il y a des touristes. Ouais. Les touristes ils viennent, ils sont avec la valise, ils n'ont absolument qu'un ticket, sinon ils ne montent pas. Ouais. Et à un moment donné, tu dis bon. C'est des gens qui ont monté, ils vont pas prendre un ticket, ils vont en prendre 5. Un billet de 50, ils vont en prendre 7 dans la période. Ah bah oui, ça sent plaisir. Hein. La paix au moine. Ça va, en temps normal, le TGM, tu vends une plaquette par jour quand ça roule bien. Vois, la moitié ou une plaquette complète en temps normal, quand il n'y avait pas tout ça. Et là, tu vends 0 ticket. Tu vois. Ouais, bah,
Il est en warning là-bas, lui. Ça va l'empêcher de passer, moi, toi. Bah, ouais. J'ai pas l'impression. Il doit être en panne. Mais là, si tu sors, tu peux pas faire ton arrêt. Mais je pense que tu peux remonter. Ah, tu peux remonter, ouais, la bordure, elle est pas grosse. Il est en panne. Ah non, il y a deux voitures. Ah bah oui, ils vont cartonner, regarde. Il y a des morceaux par terre. Bon ben on a compris en fait. Celui qui était derrière, il devait être au téléphone. Ou en train de t'exploser. Aller faire le 13. Où ça? La cathédrale ou l'église? Où? Ici? L'église ou la cathédrale? L'église. C'est le prochain. Il reste quoi, 10 minutes avant d'arriver? Ouais. Environ, ouais. 10 minutes. Le temps que je remonte à Pompadour, ça fait encore 10 minutes. Donc j'attends. On va voir. On va voir avec la pluie. Attends. Je vais voir avec la pluie. Je passera dans tout le matin exactement. Oh non, et en plus il fait pas beau. Oh, je passe à une autre fois. C'est pas comme si je l'avais jamais fait, le 393 je l'ai déjà filmé plusieurs fois, mais je sais pas si. Je crois pas l'avoir fait en 4K. À l'époque je crois que je l'ai fait en 1080. Je me souviens plus. Pendant le service? Ouais. Je me souviens plus. Parce que cette caméra là je l'ai depuis le début de l'année, je crois. Et je me souviens pas sinon, j'ai dû la faire avec mon ancienne caméra. Mais bon, elle est déjà là, c'est pas grave. Ah, puis comme ça me donnera le temps de faire le montage ce soir.
voir là devant. On peut voir. Oh là là. T'as vu l'écran de ouf qu'ils ont dans les Tesla? Ah, c'est un 17 pouces. C'est plus gros qu'une tablette. Ah, après ça pousse super chien, peut-être pas. C'est pas pour tout le monde. C'est pour bosser un vide pour payer Tesla, non? Il était temps bien répondre, hein. Il est un peu tard, on va pas répondre, on va pas tout de suite. 10 minutes après. Alors on n'a pas le droit de toucher au téléphone qu'on roule. Il rappellera plus tard. Sur les lumières ATV.